Salut tout le monde, c'est Ryan. Aujourd'hui, on se voit pour une petite vidéo sur Dragon Ball Xenoverse. Alors, pour vous montrer les vœux que Shenron et Exos, parce que j'ai récupéré ces boules de cristal, et le gameplay de Gogeta Super Saiyan 4. Donc, alors je veux de l'argent, c'est pour avoir beaucoup d'argent, je pense. Avoir un objet rare, ça je sais pas, c'est un objet. Une tenue, ça doit être une tenue classe. Je veux plus de puissance, je veux une nouvelle attaque. Ça doit. Non, ça je sais pas, une nouvelle attaque ultime, une nouvelle attaque spéciale. Je veux plus de personnages utilisés, ça c'est Gogeta. Je veux une seconde chance dans ma vie. Ça, je n'ai aucune idée. Je veux être super canon, c'est pour changer de look, ça. Et voilà. Bon, je vais prendre, je veux plus de personnages à utiliser. Donc je dois juste utiliser. Donc je dois juste accomplir cette requête, oui. Nouveau personnage disponible, Gogeta Super Saiyan 4. Je réalise ton vœu. Au revoir, Shenron. Le miracle ultime. Bon, je vais vous montrer un peu le gameplay de Super Saiyan, de Gogeta Super Saiyan 4. Et après, on se quittera dessus. Bon. Là. Ah non, avant. Avant le gameplay, je vais vous dire quelle mission il faut faire pour trouver les Dragon Ball. Très important ça. Oups, pardon. Bon alors. Les quêtes, donc c'est la quête numéro 2. Là au début il faut battre Krillin, Yamcha et Tenshin Han. Et après le patrouilleur. Le patrouilleur. Le policier du temps arrivera, il faudra le combattre. Et quand il y aura marqué matériaux. Et objet clé, ça sera la boule de cristal. Mais quand il y a marqué matériau, faites réessayer. Après, c'est la 12. Là, il faut juste aller juste. Le policier du temps, il est juste devant nous. S'il n'est pas là, vous appuyez sur réessayer. Après, vous finissez la mission. Et la dernière, 15, c'est explosion de Namek. Il faut battre Freezer en moins d'une minute. Et le policier du temps, il arrive. Il faudra le combattre. Et comme d'habitude, s'il y a marqué. Matériau plus objet clé, c'est la boule de cristal. Voilà. Non. Gogeta. Ça rame. Bon, un contre un. Bon, allez. Gogeta, oh c'est trop classe, c'est trop classe. C'est un âge jusqu'à là. Bon, je vais prendre aléatoire. Les enfants finales. Sur. Je sais pas, montagne. Trop classe, Gogeta Super Saiyan 4. C'est parti. Bon alors, ces techniques frappe permanente. Là, alors ça, ces attaques carré carré carré. Attends, je vais la montrer. Seamless. Bon ça c'est une projection. Mais non, j'ai Bing Bong Kamehameha. Bon, je rate tout le temps là. Alors là, carré carré carré, triangle triangle triangle. Ok, très classe. Après, triangle, triangle, triangle. Laisse-moi faire. Triangle, triangle, triangle. Ok. Bon. La projection, la chope. Mais laisse-moi faire la chope. Pourquoi tu l'as fait, toi? Voilà, la chope. Maintenant. Les techniques, crash du météore, bon, ça c'est une faible technique. Big Bang Kamehameha. Attends, je vais l'essayer de là-bas parce que là il me gêne. Il m'énerve. Ok, d'accord. Faut le charger donc.
Kamen Infanté. Voilà, un petit combo. Je vais refaire le Big Bang quand même, après je vais vous montrer les ultimes. Ok, bon. Allez, les ultimes, Big Bang quand même à fois 100. Heureusement qu'il avait une MZ et le super Kamamea. Bon, pour moi, Gogeta Super Saiyan 4 est un perso très 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 fort. Bon, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je vous adore, à plus.